L'Afrique sous-tropicale est relativement, pas entièrement, mais relativement protégée par rapport aux autres pays du coronavirus. Je ne suis pas sûr que ça dure parce que quand on regarde des études, y compris celles que nous avons faites nous au Sénégal, sur les autres coronavirus, on voit qu'ils circulent de la même manière, donc il est bien possible qu'ils circulent aussi là-bas. Et il est possible aussi qu'il y ait une espèce de protection qui pourrait être due à l'écosystème africain particulier. Et parmi ces éléments de cet écosystème, bien sûr, le fait de la prise de beaucoup d'antipaludiques. Et on sait maintenant que non seulement la chloroquine, mais presque tous les antipaludiques, on a des données au laboratoire comme ça, sont efficaces sur le virus, le coronavirus. Donc il est possible que la distribution du virus actuellement soit différente en Afrique subsaharienne que ce qu'elle est en Europe. Nous ici, comme vous le savez peut-être, on a commencé un traitement avec deux molécules de base, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Ici, il y a eu toute une espèce de cabale un peu fantasque sur le danger de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, mais ça fait beaucoup rire mes amis africains. Je pense qu'ils rient avec moi quand on leur dit que la chloroquine est un médicament dangereux, parce que comme on a tous bouffé de la chloroquine quand on était gosse et que ça a continué pendant très longtemps, tout ça n'est pas très sérieux et donc n'est pas vraiment documenté. Donc ce n'est pas sérieux. Donc je continue à penser que ça a une efficacité qui n'est pas peut-être totale. Nous, on trouve que ça marche mieux si on l'associe à l'azithromycine, qui est un médicament de base de toutes les pneumopathies. Je suis né à l'hôpital principal de Dakar et ensuite j'ai vécu dans le bâtiment qu'avait fait construire mon père, qui était professeur de médecine tropicale dans le service de santé des armées, dans un bâtiment qui s'appelle l'Orana, qui pendant 50 ans s'est occupé de la nutrition tropicale, juste en face de l'Institut Pasteur de Dakar et de l'hôpital Le Dantec. Donc mon destin était tout trouvé, puisque la maison dans laquelle nous vivions était dans le bâtiment même de l'Orana. Donc je vivais au plateau à Dakar, donc en face de la plage de Lance Bernard. Donc j'ai gardé des souvenirs très attachants. Après être parti au Sénégal avec une période d'adaptation en France qui était compliquée parce que la vie était tellement belle là où nous étions. Tout ce qu'on peut faire pour aider et pour faire avancer les choses et pour travailler en commun sur ce domaine sera fait parce que nous sommes liés. Vous comprenez bien que j'étais étant moi-même partiellement sénégalais, je ne peux pas imaginer de ne pas me sentir concerné par les choses qui se passent, y compris dans le cadre de cette épidémie.